Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce live, salut Flo, salut Falseag, comment allez-vous tous les deux? Une petite bière, et eh ben écoute, on va se lancer immédiatement. Je suis un chouïa en retard, j'étais en train de regarder mes notifications Discord et j'ai fait une faute de frappe, du coup c'est tout merdique. Donc je la fais à la main à l'ancienne, parce que pourquoi pas, on est en live, c'est mercredi, si vous regardez ça en VOD, n'hésitez pas à passer le mercredi 21h pour profiter en direct d'un petit peu de City of Gangster, d'un petit peu de Binouz. Direct Flo qui intervient avec un petit on trinque au signe. Et ben écoutez, je vais réaligner la carte parce que je sais pas pourquoi elle a tourné. Si je ne m'abuse, ça devait être comme ça, c'est ça. Et on va trinquer un coup, c'est parti. Ah. Alors, on avait notre petite production de cidre qui tournait bien. On avait un bootlegger, on avait récupéré un nouveau bâtiment qui était ici et qui produisait rien de particulier, ce qui est bien dommage, ce qui est bien dommage, mais bon, on va quand même pouvoir en faire quelque chose je pense. On était en train d'explorer un petit peu la ville, je me souviens qu'il y en avait deux qui se mettaient sur la tronche, mais visiblement ils sont retournés chez eux se reposer. Donc rien de nouveau de ce côté là, ok parfait. On pouvait pas corrompre notre ami là. Ouais, dans 4 tours, hein, on va voir la disparition du bonus de moins 10 et du coup on devrait être mieux. On va pouvoir aller lui recaler un petit compliment et il nous aimera suffisamment pour qu'on le corrompe, donc il faut qu'on se fasse un peu de thunes par contre. On a assez d'argent pour payer nos salaires, ça c'est cool. On gagne 101 par tour de revenus du commerce, on en claque 60 en salaire. Donc en gros on a 60 de revenus sans rien faire. C'est pas si mal mais c'est pas ouf. Hein. Notre objectif de la journée, de la soirée plutôt, ça va être clairement de... d'essayer de se choper une petite salle de jeu. Une petite salle de jeu, ça serait nickel. Par contre, il faut qu'on mette de côté au moins 1500 balles. Et salut Yukov, bienvenue sur le live. Comment vas-tu? Donc ici, on pouvait rien faire d'autre. Toi, t'étais parti où? T'étais parti loin. Ah, et là, il y a un vilain. Bon, on a un petit cran d'arrêt. On peut se permettre des trucs. Ok, ici, c'est les rails. Donc on peut pas tourner. On va continuer d'explorer, tranquille. Hein. On n'a plus de points d'action. Ah, donc on peut pas explorer cette zone. Après, on va peut-être repartir par là, voir si on arrive à trouver quelque chose d'intéressant. Ça pourrait être sympa d'essayer de trouver une gare ou quelque chose qu'on puisse prendre, prendre en main. Bah écoute, ça va pas trop mal. Pas trop fatigué pour une fois, donc ça fait plaisir. Toi t'avais des échantillons sur toi? Non, t'avais que dalle sur toi. Ici on avait rien. Lui il travaille tranquillement. On pourrait avoir 6 personnes. Il va falloir qu'on s'agrandisse, hein, très clairement. Ici on était en train de tenter une quête, je crois, pour draguer cette sympathique personnage. Et ce sympathique personnage, c'est cette quête-là, ouais. Donc il faut 1500 balles et 15 bois. Ouais! C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Franchement, vu ce qu'on arrive à générer comme bénéfice, c'est tendu. Hein. Ici, j'avais pas encore décidé ce qu'on ferait, du coup. Je crois qu'on avait dit qu'on ferait du vin. Ici, on avait dit qu'on ferait du vin. C'était pas cher, assez facile à produire et quasiment aussi cher que du brandy. Donc on va faire du vin. C'est ça, Falseag, on avait parlé de vin, je me souviens maintenant.
On avait comparé, c'était les deux trucs où on avait des compétences, le brandy et le vin. Et le vin était carrément plus rentable. Il était à 14 ou 18 à vendre, mais bon, avec un petit bonus de 20%, on les atteint et c'était beaucoup, beaucoup plus facile à produire. Donc on va passer le petit tour. Et on est parti, on vend du seed, parfait, on vend du seed, déjà ça aide un petit peu niveau revenu. Ça c'est plutôt cool. Je me demande du coup si je vais pas essayer de focus cette quête pour se développer un peu là, parce que vu la taille des autres cocos là, bon on est quand même très raisonnable aussi, hein, mais vu qu'on dépense pas trop pour capturer les trucs où il n'y a rien d'intéressant, il va quand même falloir qu'on grossisse un petit peu. Donc je pense que même si c'est pas rentable, on va lancer ici l'agrandissement. Il propose d'agrandir par là, ce qui nous apporte, ce qui nous amène rien, mais on va le faire quand même. On va aller chercher un petit peu de cash. Qu'est-ce que t'as comme quête, toi? Nanana, un prêt. Non, mais les prêts, c'est bon quoi. D'ailleurs, on avait fait un prêt et je crois que j'ai jamais eu besoin de le rembourser. Bon. On va se dire que tant mieux. 30 balles, c'est parfait. On va aussi récupérer un petit peu de sous là. Genre de l'argent de poche, voilà. Du jus de raisin, exactement. Du jus de raisin. Bon, bah voilà, le jus de raisin, on le met en pot, il fermente. C'est quand même pas notre faute, hein. C'est la science, quoi. Y a pas de... Voilà. On va plutôt être sur du rouge là, je pense, Flo, là, pour le coup. Alors je garantis pas qu'il sera de la vallée du Rhône, mais en tout cas il sera genre rouge. Genre bien rouge. Toc. On a quoi? Ok, des trucs pas ouf. On va avancer un peu par là. Oh, il y a plein de choses ici. On a plus de points. On a encore de quoi avancer. Ah, on a fait connaissance avec la bande de Sarah O'Farrell qui nous aime bien. Ce qui est pas plus mal. Ce qui est pas plus mal, on va retourner là. La démone. Et boss, lui, il fait sa petite popote. Hein, j'espère qu'il va pas se faire choper par le flic. Non, non, j'ai jamais fait de vin. Du vinaigre éventuellement, mais je pense que ce qu'on va fabriquer là, ça va s'apparenter à du vinaigre. Hein. Bon, voilà, on parle de le laisser macérer dans de l'eau. Voilà, éventuellement il pourra devenir alcoolisé, ça serait quand même pas de chance. Du coup il serait de fait illégal, mais on pourrait pas en vouloir à un honnête commerçant de vouloir se débarrasser à prix perdu de ses échecs. Voilà, c'est parfois il faut savoir faire des compromis, comme on dit. Une descente ici, ok, pas de souci. Ici ça a été vendu, il a acheté des pots, donc on est bien. On va aller chercher les petites enveloppes. Tac, tac. Ça nous aidera à investir, n'est-ce pas? Merde. Hop, hop, hop. Alors, il nous fallait du bois. Je crois qu'on avait un accord là-bas pour du bois. Donc on va y retourner. On a quand même 276 balles. Par contre, il nous faut 15 bois. Hein. Du bois, voilà, on avait un petit prix. On peut en transporter 4 de toute façon, pas plus, donc comme ça, c'est vite vu. Ouais, la villageoise, c'est un grand cru à côté de mon vin, ouais, je pense qu'on peut tout à fait dire ça. Mais que veux-tu, les gens sont désespérés, ils veulent du picrate. On leur offre du picrate, hein, à nous. On ne fait que offrir au peuple ce que le peuple veut. Hein. Ok, on découvre pas mal de choses, c'est cool. On a déjà plus de points. Va falloir que je lui monte un petit peu ses points d'action à son prochain niveau à notre ami Magellan là. Est-ce que avec notre dernier point d'action on pourrait pas faire un truc là? La dernière livraison a été partiellement effectuée. Ah oui, on n'a pas pu acheter suffisamment de pots. On devrait avoir ce qu'il faut quand même.
Il va nous falloir un nouveau camion, donc on va peut-être commencer à se concentrer sur les pieds de biche là pour cette quête là aussi. Est-ce qu'on peut acheter des pieds de biche quelque part? Oui, ouais, on peut acheter des pieds de biche éventuellement là, même je pense que les fils Pavlov devaient foutre la merde de mémoire. D'abord, on va travailler sur notre territoire. C'est plus important. Donc là, on va aller livrer le bois. Ici. Toc, toc, un peu de bois. Voilà, attends, ça va faire quelques allers-retours, hein. Écoute, Yukov, c'est fait avec du raisin, il y a de l'alcool dedans. Je pense que ça remplit tous les critères pour du vin. Je vois pas du tout quel pourrait être le problème, quoi. Voilà, c'est parfait pour nettoyer la rouille et les taches de sang. On va renommer notre gang le gang des dissolveurs. Je pense que ça sera pas mal. Ah, on a une quête ici, tiens. Qu'est-ce que tu veux? Du cidre? Est-ce qu'on a des échantillons sur nous? Non. Mais un petit peu de cidre, pourquoi pas. Un petit peu d'échantillons de cidre. Voilà, ouais, les gens croient en nous. Ils nous demandent des échantillons. C'est bien la preuve, hein. Tu peux pas aller plus loin. Si, t'as 10 points encore. On peut pas avancer par là? Bah, pourquoi? Machin? Tu veux pas? Ah non, c'est parce que là c'est une grande rue, on peut pas se poser, d'accord. Et du coup, on a fait le tour, on va pouvoir aller chercher les échantillons. C'est parti. Merde, il s'est arrêté où? Ah, il fait le tour, hein. Merde, j'ai pas de jonction là? Sérieux? Ah, il évite peut-être de traverser les zones ennemies. Ah, ici, il y a une planque, mais non, il est toujours en vie, lui. Bon, je sais pas pourquoi il a décidé de faire le tour par là. Ça m'échappe. Pourtant, elle nous aime bien. Ouais. Non, on l'écrase pas, Falseg. C'est important d'entretenir... d'entretenir le goût. Donc on met les raisins dans une baignoire, on met mi-raisin, mi-eau, voilà. Dedans on met un chien ou un truc du style histoire qu'il s'ébatte un peu et qu'il fasse un peu sortir le jus et puis voilà, on a du vin. Ah, quel Doyle va bientôt organiser une partie. On va aller faire un tour mais d'abord faut qu'on aille voir là parce qu'on a un problème de financement. Ici. Voilà. Parce que vu que pour l'instant on arrive à tirer que sur un truc, ça marche pas. Ici, est-ce qu'on a un petit peu de cidre? Merde. Il s'est cassé avec tout le cidre, le fumier. Il faut qu'on aille le chercher là. Lui, ça fait 4 tours ou pas encore? Yes! On va pouvoir le convertir à notre cause. Donc ça, c'est une priorité par contre. On va donc aller chercher un petit peu de liquide. Voilà. On va aller lui chanter des louanges. Ah, on n'a pas assez de points. Fuck. Ça, c'est la loose. Ça, c'est la loose. Ça, c'est la loose. Du coup, ce qu'on va faire. Quoi, tu peux pas prendre des sous? Ah si quand même, on est d'accord. Ouais, pas trop parce que il faut quand même payer les salaires pendant au moins un tour. Machin, il est là. Il faut qu'on aille ici, donc on va aller jusque là. Normalement, on devrait pas se prendre de descente dans ce quartier-là. Derrière, on lâche le bois, on va corrompre le machin et on va jeter un oeil à la dinner party. Et ce sera très bien. Toi, du coup, t'as fait ton taf. Là, ça fait tranquillement. Oh putain, j'ai eu peur, il a fait une descente, mais. Pas tout à fait là où on était, c'est parfait. Alors, on descend là, on drop le bois. Hop, voilà, on devrait commencer à être bien là. 12 sur 15, nickel. On va lui faire coucou.
Ah zut, je peux pas lui faire de petits compliments. Merde. Bon. Bah du coup, on va attendre quelques tours qu'on puisse de nouveau, hein, tant pis. C'est triste. Comment va notre commerce? On récupère la thune. Alors attention, d'accord, Kaiser, ton message s'est fait retenir à cause de Nègre. Al signo Nègre. Et salut Kaiser, bienvenue sur le live, comment vas-tu? Le 8 mars, 200 balles pour la petite soirée. Non, pour l'instant c'est pas le trip. Eh bah écoute Kaiser, ça va bien, ça va plutôt bien, je dois dire. Ici on voulait récupérer 5 cidres, c'est parti. Et après il faut qu'on aille le dropper, là on a la quête, c'est-à-dire ici. Mais par contre pourquoi tu fais le tour par là? Il y a un bug avec la liaison ici, on va y aller. Ah parce qu'on n'avait pas découvert ce coin-là, d'accord. C'est pour ça. Bon, on va le découvrir, y a pas de souci. Magellan est un découvreur après tout. C'est son travail. Du coup, vu que lui il veut pas qu'on le corrompe, on va se tirer de sa zone d'influence. On va acheter le bois qui nous manque, donc 3. Voilà. Et au prochain tour, d'ailleurs je peux peut-être même y aller tout de suite. Non, je vais pas y aller tout de suite. Ouais, on peut le draguer qu'une fois de temps en temps. Mais c'est un petit peu chiant. Allez, on passe le tour. Alors là, il va bosser. Ok, il va peut-être partir avant quand même. Si j'y crois pas trop. Ok, le reste du bois, c'est fait. Maintenant, 1500 balles. Putain, il veut pas qu'on le complimente. Hein. C'est terrible ces gens qui ne veulent pas qu'on les drague. Là, ils travaillent à fond. Ok. On ramasse la thune. Lui. Toi. Est-ce que, à tout hasard, tu voudrais pas... Ah non, elle veut pas. Elle veut toujours pas. C'est terrible. Elle est prudente. Ok. Bon bah, tant pis. C'est comme ça. Donc les livraisons, ça nous ramène un petit peu de sous, mais c'est pas non plus monstrueux, quoi. Hein. On va pas se mentir. Toi. Les échantillons. On améliore les relations. Toc. Ça veut dire qu'éventuellement on pourrait faire des choses ici. Pourquoi pas. Ah, elle connaît des gens éventuellement utiles. Ta nièce Viola. Parle-nous de ta nièce. Qu'est-ce qu'elle nous fait de beau, ta nièce? Ah, on pourra lui vendre du cidre. Et du cidre pétillant. Bon, on va se calmer avec les échantillons, hein, parce que faut que je les vende aussi, hein, mes échantillons. Non mais oh. Ça va bien les conneries. Allez, on va continuer d'explorer. On va compléter ce qui nous manque. Pas assez de points. On est dans la bonne zone là. Oui, on est dans la bonne zone, je suis con. De toute façon, il a plus rien. J'espère qu'elle ne nous déteste pas. Ça va. Pas de raison qu'elle nous mette sur la tronche a priori. Ici, par contre, il nous reste plein de points. Je pense que là-bas, ils vont avoir besoin de sous bientôt. Et on passe le tour. Ah!
Non, notre niveau de respect est en hausse. J'ai cru qu'on s'était pris une petite tatane. Donc on va devoir l'alimenter, hein. Malheureusement. Mais bon, avec un peu de bol... Oh putain, il me propose d'aller mais là où c'est pas utile. Quel enfer. Faut qu'on aille par là, c'est là qu'il y a des commerces. Sérieusement. C'est ouf. Donc là, il a pas pu vendre son cidre parce que il y avait des flics. Forcément. Non, on va payer une fortune pour s'étendre. Après, il va vouloir nous étendre par là, tous les coups, vous allez voir. Il va nous faire à la fin les trucs qui permettraient de financer. Ça va pas être rentable, ce commerce, je sens. Moi, j'aime pas quand c'est pas rentable. Ça casse mon sens du commerce. On n'aime pas ça quand, quand on casse notre sens du commerce. Normalement, on a un petit peu de sous ici qui est déposé, non? Pas vraiment. Tant pis, on prend tout. Est-ce qu'on sait vendre des cordiaux? Ouais, tout là-bas. C'est le truc à alcool rare là-bas. Hein. Allez, on va prendre des échantillons. On va investir. Parfois il faut. C'est important de prendre des risques dans le métier. Parlons argent. 84 pièces. Allez, c'est parfait. 600 balles. Voilà, là on commence à causer là. Ah, ça fait rêver ces alcools là. Hein. On va pas se mentir. Allez, on a tout claqué, on est bien. Donc il y a 300 balles là-bas et 240 dans le coffre de Cécile. Très bien. Magellan, de son côté. Il va finir l'exploration là, et après on va partir par ici. Est-ce qu'on n'aurait pas possibilité de refaire une petite... un petit coup? Non. Ah bah c'est cool Flo, si t'as apprécié, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, hein, il les lit tous et ça le motive bien à continuer. Je lui passerai le message hein, dans tous les cas, mais... C'est la semaine prochaine le... Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, nouvelle descente là. Est-ce que tu acceptes un petit compliment? Toujours pas. Ah, c'est dommage, je sais pas pourquoi il veut plus de compliments, hein, tant pis. Non, mais je suis con, je lui avais dit non. J'attends le truc là, mais je lui avais dit non. Du coup, ça sert à rien d'attendre là. On va relever les compteurs et là-bas il va sûrement y avoir besoin de sous. Toc, toc. Ok. La tunasse. Ah, ici il faut qu'on fasse des extensions. Hein. On a trois emplacements. Cécile, t'as pas de la thune sur toi? Ouais. 182, c'est pas oufissime. Il y a suffisamment de pots engrais, donc on va laisser tomber les pots engrais pour l'instant. On dépose tout ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Les tuyaux rappeurs, c'était 30 balles. Ça, c'était 400. Alors, on va commencer par ça. Il faut qu'on augmente notre production 10%. C'est toujours ça de prix. Pour l'instant c'est notre seul revenu donc il faut vraiment qu'on soit capable d'en faire quelque chose. Et d'ailleurs il faut
Du concentré de raisin pour les trucs. Ouais, il y en a sur notre territoire, c'est parfait. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut. Pouvait acheter des pots engrais ici aussi et des pots engrais là-bas. Ouais, il y a moyen qu'on puisse se démerder. Il y a moyen qu'on puisse se démerder. On va améliorer du coup le système de livraison de notre amie Cécile. Du coup, tu récupères du cidre autant que possible. Ensuite, tu vends du cidre ici. Ok, après tu vends du cidre ici. Ok, il ne peut pas vendre de vin, donc pas de souci. Tu vas aller vendre du vin là. Donc c'est parti. Faut qu'on ajoute des étapes. C'est en bas. Alors, vendre du vin en brique autant que possible. Toc. Ensuite, tu vas aller récupérer dans la remise du vin en brique ici. Autant que possible. Parfait. Tu vas aller acheter des pots engrais là. Jusqu'à en avoir 100. C'est 45 et 40, je crois. Donc ouais. Admettons. Ok. Tu vas acheter des pots engrais là-bas. Jusqu'à en avoir 100. Ok. Et il faut que tu déposes des pots engrais ici. Jusqu'à ce qu'il y en ait 50. Voilà. Ok. On rangera après les étapes. Sans vouloir la ramener, la seule différence concrète avec des briques, c'est que vous appelez ça du vin. C'est un peu ça, ouais. On va pas se mentir, hein. Du concentré de raisin, t'en achètes ici jusqu'à en avoir pas 100, absolument pas, jusqu'à en avoir 8. Tu déposes le concentré de raisin là, ah, tout ce que t'as, pas de souci. Ok, il va falloir qu'on range un peu parce que là, du coup, ça n'a plus aucun sens. Alors. Réarranger les entrées. Voilà, parfait. Du coup, tu récupères le cidre. Ici. Tu vas vendre le cidre ici. Tu vas vendre le cidre ici. Ensuite, il faudrait que tu récupères le raisin. Que tu achètes le raisin. Ah merde, j'en ai fait. Ça, c'est acheter ça. Non, stop. Ouais, j'ai mis deux fois déposé là. Ça dégage. Voilà. On est reparti. Donc, on veut vendre le cidre à NC Bière machin truc. Donc, ici, on achète. En même temps qu'on achète, on vend le cidre. On vend le vin. On vend le vin. Juste donc à faire avant de l'acheter. Ensuite, on va remonter jusqu'ici. Je me suis gouré, j'ai demandé de livrer le raisin là, visiblement on va corriger. Ensuite, tu montes jusqu'ici et tu récupères le maximum de vin à Centrale Crémerie après avoir vendu. Parfait, tu récupères du vin. Tu déposes pendant que tu y es ça. Si c'est bon, la livraison est bien là, ok. Ensuite, tu vas aller acheter. Non, tu vas déposer des pots engrais. Toc. Jusqu'à ce qu'il y en ait
Alors c'est que le véhicule en est 50. C'est un camion justement, c'est un pick-up qu'on a Falseac, donc normalement il y a moyen qu'il puisse quand même en caler un petit peu quoi. Mais on est d'accord, ça va pousser les réserves, hein. On va pas se mentir. On dépose le grès, hop, donc on va acheter, ensuite on va aller tout de suite faire un tour tout là-bas pour acheter. Et après, on revient livrer, vendre les trucs, livrer, vendre le cidre, déposer le cidre, acheter les pots en grès jusqu'à ce qu'il y en ait 50, donc là faut qu'on le change. Et qu'on change ça aussi, très bien. Donc du coup, ça, on veut qu'il y en ait 100. Ça, on veut qu'il y en ait 100. Hop, et donc là on veut déposer jusqu'à 50. Ok. Jusqu'à ce que emplacement on est 50. Donc normalement c'est bon. Non, emplacement on est 50. Non, c'est bon, c'est bien l'emplacement qu'on est 50. Ok, parfait. Là on a dit il faut. Merde. 40 pots. Et là 45, donc on va être large. On va être large, bon, un petit peu fastidieux à refaire, mais normalement on va être nickel. Très bien. Là on n'a plus du tout de sous. Et on est au volant, très bien. Donc on va la laisser conduire. Ici on explore un petit peu. Hop, pif pouf. On trouve plein de casses, c'est parfait. On va commencer à aller faire un petit peu coucou. Oh, encore des policiers, nickel. Je me demande si lui il pourrait pas le draguer. On va essayer de voir si lui, vu qu'il est il a des traits de caractère assez intéressants. Parce que elle est agressive et nerveuse la Chobiti, donc c'est pas dit que ce soit la personne idéale pour aller draguer du flic, comme on dit. Allez, on passe le tour. On lui fait coucou. Rah, il veut pas qu'on le complimente. Hein. Bon, bah. Échec. Donc là, on n'a rien acheté parce qu'il a plus de sous. Ça, c'est pas grave. On s'en remettra. Ah, on a quand même 500 balles là. Hein. Ça veut dire qu'on prend un petit peu d'argent de poche. Hop là. Euh, 500 c'est pas assez, mais on va aller quand même compléter cette quête. Ici il va nous falloir des sous, pas encore. Pas encore, pas encore. Donc on continue de nourrir ici l'endroit à nous. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner cette quête, indépendamment du fait que ça devrait nous débloquer le truc. On peut prendre plus normalement. Hein. Déjà on peut ramasser une petite enveloppe. balles on se fait quand même dans ce quartier, hein. C'est ultra rentable. Alors l'un de nos véhicules est amoché, bah on s'en remettra, hein. C'est pas grave, il est déjà rendu là-bas, hein. Tu vois, normalement lui avec sa petite camionnette, on voit pas la contenance. Je sais plus comment on fait pour voir la contenance. Pas discuter avec lui, tiens. Il va falloir attendre qu'il soit en face d'un truc bleu pour qu'on voit la contenance, mais les pick-up c'est beaucoup plus de contenance que notre petite voiture à deux portes toute pourrie, hein. Nora a gagné. Ah, parfait. Est-ce qu'on réduit la durée? Non, on va augmenter plutôt la quantité produite encore un coup. Ça c'est parfait. On va en produire plus. Si on produit plus vite, ça va être tendu d'amener tous les pots en grès. Par contre, si on en produit plus à chaque fois, 52, ça devient intéressant quand même. Toi, de ton côté.
Alors, je suis pas assez proche, je suis pas sur la bonne case. Si, je suis sur la bonne case là. Alors, ça y est, j'imagine qu'il y aura une grande fête pour l'inauguration du club. J'apprécierais qu'une portion des provisions finisse en ma possession. 3 faveurs et plein d'alcool, ok. Après la construction, tirer profit de la configuration, notre sobriété technique pour faire en sorte qu'un nouveau petit camion. Ah, parfait, un petit camion. Alors, ça, ça pourrait permettre d'investir grave aussi. Hein. Non, là, on en a pour beaucoup plus. On a une quête à genre 1000 balles ou 1500 balles pour avoir des camions. Non, on va prendre ça. C'est carrément plus rentable. C'est carrément plus rentable. Rien que là, si on vend tout ce qu'on a récupéré, on va se faire bien plaisir, quoi. Qui c'est qui voulait un petit peu de bière? Une petite binouze. Est-ce qu'il y avait du brandy? La bière, du vin, du moonshine. Non, il n'y a pas de brandy. On a un max de cidre aussi. Il faut qu'on vende de la bière. Tout là-bas, on peut aller vendre de la bière. En plus, il y a une faveur, donc on va pouvoir peut-être négocier du prix. Non, pas vraiment. C'est pas grave. Ah si, c'est déjà négocié. Voilà, on investit. On parie sur l'avenir. C'est pas du tout ça. C'est ça. Hop, de la bière. C'était où sinon la bière? C'était là. Ça c'est très très bon ça. C'est très 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 bon. Bah du coup toi, tu vas participer à l'effort de guerre. Tu vas vendre du moonshine. Où est-ce qu'on peut vendre du moonshine à des prix intéressants? C'est loin. Ici, il y a moyen qu'on fasse un bon prix sur le moonshine. Peut-être plutôt là d'ailleurs. Plutôt là, parce qu'ici on va négocier le prix pour du cidre. Parlons argent. De la thune. 12 pots seulement, dommage. Ici, on va lui faire coucou. Le cidre, on est sur du 20% pour le cidre. Donc on va se mettre d'accord pour du moonshine aussi, du coup il n'y a pas de raison. Il y a tout là-bas, mais je pense qu'on pourra pas se faire de prix là. Donc pour l'instant, on va mettre de côté. Il se déplace, c'est vraiment ouf, hein, j'avoue. Ça fait quand même bien plaisir. Du coup, on va vendre des échantillons de vin, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh bah. Il en achète jusqu'ici. La fameuse ferme, pour l'instant la fameuse ferme, c'est pas le thème. Allez, 18 balles, hop, on en vend 26, parce que après tout, pourquoi pas. Ouais, c'est carrément rentable. Y a rien à dire, on a déjà 1000 balles sur nous, on va le déposer. Merde. Hop, on va récupérer un petit peu plus de vin. Et on va aller liquider le reste du vin. Bah là-bas par exemple, ça me paraît pas mal. Ah ça y est, il est à court de déplacement, enfin. Enfin il est à court de déplacement. Bon alors par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter l'épisode de VOD là parce qu'il est largement assez long. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à faire un petit au revoir à la VOD dans le chat en speed pendant que je récupère le on trinque au signe de Soren. Salut Soren. Dans tous les cas, merci à tous et à tous, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à passer en live le mercredi si vous voulez voir l'aventure, et on se dit à très vite pour la suite.